Vous verrez, c'est délicieux. Merci. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont pris cette étiquette. Ouais, on est révoltés. Nous, on est... Moi, je suis un écorché. Et quand je dis un écorché, je suis un écorché. J'irai pas foutre mon but, mes burnes dans un truc politique. Pour moi, c'est pas des écorchés, c'est des trous du cul. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait 30 ans, 40 ans que ça dure, et les mecs sont toujours là en train de pleurer, à descendre avec des trucs, là, 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 là. Bonga, qu'est-ce que c'est que ça, Bonga? Bonga, qu'est-ce que c'est que ça, Bonga? J'ai vu 5 présidents. De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand 2 fois, et là, Chirac 2 fois. Et Sarko. T'es mieux. J'ai 42 piges. Qu'est-ce qui a changé? Deux fois le ténu, on va l'avoir. Ouais. Non. On va l'avoir deux fois le ténu. Qu'est-ce qui a changé? Client, n'écoute pas. Client. C'est Faribone. On l'aura qu'une fois. On l'aura qu'une fois. Peut-être qu'on aura son fils. Moi, j'ai rien contre Sarkozy et tout ce que là, il y a là. Moi, j'ai tout contre ces gens qui veulent te filer la morale et en vérité, ils te regardent, ils vous font. Hey, tu sais quoi? Il va falloir te serrer la ceinture, hein. Bon, moi, je me casse à Abu Dhabi et puis toi, tu vas aller à Vendrange là-bas, tu vas te démerder tout seul. Le truc, il est, c'est que les gens, ils sont là à avoir de l'espoir. Mais si tu veux un espoir, le monde, il s'est fait avec quoi? Il s'est fait avec de la violence, il s'est pas fait avec autre chose que de la violence, il s'est pas fait avec des paroles. Il s'est fait avec la violence. Si tu veux changer quelque chose dans ce monde, pas que dans ce bled, c'est la violence, et pas autre chose. Si on veut plus voir les mêmes conneries qu'on voit là toute la journée... Violence et barbarie. Oui, violence et barbarie, mais c'est pas moi qui l'ai inventé. Ah, qu'est-ce que c'est que ça, bon gars? Si on veut voir autre chose que le baratin qu'on nous sort, regarde ce qui se passe aux Antilles là maintenant. Ah, qu'est-ce que c'est que ça, bon gars? C'est la France? Oui, merde. C'est le département. Oui, mais voilà, c'est une question. C'est la France de l'Ouest. C'est ce qu'on appelle de nos jours l'hypocrisie. Le jour où le français. Parce que notre grand problème à nous tous, ce que je vais dire, c'est super grave. Nous payons, nous, la deuxième ou troisième génération, la couardise des Français de première génération. De s'être chié dessus pendant la guerre, de nous avoir envoyé nos ancêtres se friter contre le nazisme, puisque tout le monde sait que la guerre, elle s'est pas gagnée en Normandie, mais en Tunisie, s'il n'y a pas la division Leclerc, hein? Avant la division Leclerc, il a fallu qu'il y ait des mecs qui allaient faire du déblayage. Tout ça, c'est que des immigrés. Tout ça, ce ne sont que des immigrés, que des colonisés, si on préfère dire ça. Et nous payons le prix de nous faire chier dessus, alors que nous les avons sauvés. Alors que nous les avons sauvés. Qu'est-ce que c'est que ça, bon gars? Moi j'ai rien contre. Alors que nous, on leur a permis d'être ce qu'ils sont aujourd'hui. Moi j'ai rien contre. C'est ça le grand problème. Et que jusqu'à maintenant, personne en a parlé. Jusqu'à maintenant, tout le monde a fait waouh 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 waouh. Non, il n'y a pas de waouh waouh waouh. Si nous n'avons pas été enchaînés, ou si on n'avait pas été avec nos chameaux, à de temps en temps à vous offrir des orangers, etc., etc. Messieurs, vous serez dans la merde comme aujourd'hui. Vous serez nazis comme la plupart de ce putain de monde. Voilà. Et c'est ça le grand problème. C'est moi, je suis pas un engagé. Je suis un écorché quand je vois des trucs. Des fois, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? On nous essaye de nous vacciner toute la journée. Tu prends la télévision française. Ah non, 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 tu prends la télévision française. Chaque semaine, pour tous les 15 jours, il y a un film sur la guerre, 39-45. À nous victimiser seulement une partie de la population française et pas les autres. Parce que les autres, pendant la guerre, ils buvaient des citrons et voilà quoi. Ils s'en foutent quoi. En fait, t'as l'impression qu'il n'y a pas eu la guerre en Afrique.